Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette gourmande de street food, des tenders façon KFC sans gluten, croustillante, facile à faire. J'espère que la recette vous plaira. Pour les ingrédients, on aura besoin d'un kilo de blanc de poulet que j'ai coupé en aiguillettes, 3 œufs, 80 g de farine de riz, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à soupe de paprika, une demi-cuillère à soupe d'ail en poudre et d'oignon en poudre, du sel, de poivre, et j'ai fait un mélange des mêmes épices, donc du paprika, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, du poivre et de sel que je vais utiliser pour la farine de riz. Et enfin, 200 g de cornflakes sans gluten. Moi, j'ai pris ceux au sarrasin, mais vous pouvez prendre celui au maïs. Il faut que ça soit non sucré. Il faudra le passer quelques secondes au mixeur pour l'émietter. Je commence par mariner les aiguillettes de poulet. Je mets le jus de citron, l'huile d'olive, du paprika, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, le sel et le poivre. Je mélange bien. Et je mets au frais pendant 30 minutes. En attendant, je mélange la farine de riz avec toutes les épices qui restent. Je mélange et je le garde de côté pour la suite de la recette. Je bats les œufs. Après 30 minutes, je prends le poulet, je les mets dans la farine de riz, ensuite dans les œufs et je finis par les recouvrir de cornflakes. Dès que c'est fait, je les fais cuire dans un bain d'huile sur feu moyen. Et je les mets sur du papier essuie-tout pour absorber l'excès d'huile. Et voilà la recette d'aujourd'hui, une recette gourmande de tenders façon KFC, sans gluten et sans lactose. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao ciao!